estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Oui, entrez. Est-ce que je peux vous parler, Arturo? Oui, Isabelle. Il faut qu'on parle. Vous ne croyez pas? Je pense que vous et moi, on s'est déjà assez crié dessus ce soir. S'il s'agit de ce que je t'ai demandé à la clinique, je t'ai déjà dit d'oublier ça. Non, je ne peux pas. Et il est clair que vous non plus. Arturo, je ne sais pas ce que vous imaginez, mais il n'y a rien entre Sergio et moi. Isabelle, j'ai entendu quelque chose. Je veux croire que ce n'était qu'un délire de Sergio. Il a dit qu'il était amoureux de toi. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi, Isabelle? Pourquoi? Sergio est le frère de ton mari. Tu imagines ce qui pourrait se passer si Hannibal l'apprenait? Je vous jure qu'il ne s'est rien passé entre Sergio et moi, Arturo. Je vous le jure, vous devez me croire. Dans le cas contraire, tu aurais brisé notre famille. Non, ne me dites pas ça. Je n'ai jamais rien fait pour pousser Sergio à avoir ses sentiments pour moi. Je n'ai aucune idée de comment ça a pu arriver. Je ne pouvais même pas l'imaginer jusqu'à ce que Sergio me le dise le jour où il a eu son accident. Je vous le jure, je vous le jure. C'est pour ça qu'il a autant bu. Isabelle, est-ce que tu as refusé ses aveux? Oui, évidemment. Ça me fait mal de me dire que mon rejet aurait pu entraîner tous ces événements. Pardon, c'était trop dur pour moi. Je te crois. Je te crois, Isabelle. Je te connais assez bien pour savoir que tu ne serais pas capable de tromper ton mari. Allez, c'est bon, va te reposer. Vas-y. Cette journée a été difficile pour tout le monde. Oh oui. Merci beaucoup. J'ai besoin de photocopies, c'est urgent. Pas de problème, j'y vais. Oh, pardon. Regardez. C'est le harnais que Silvio utilisait quand il est tombé de l'arbre. Vous voyez? Il a été coupé. C'était pas un accident. Il a été coupé, c'est clair. Oui. C'est peut-être toi qui as fait ça. Quoi? Un accident de travail, c'est très délicat. T'as peut-être coupé le harnais pour éviter d'être accusé de négligence. Vous me pensez capable de faire ça? Tout ce que je fais, c'est te dire que ceci prouve rien. Ce harnais est passé entre des milliers de mains différentes. Ça va être impossible d'isoler les empreintes du coupable. Il y a un témoin qui a vu Victor Tinoco rôder autour de la Syrie quelques heures avant l'accident. Vraiment? Dans ce cas, pourquoi vous n'allez pas lui demander directement?
Je pense pas qu'il soit impliqué, il passe ses journées à boire. Écoutez, si vous ne voulez rien faire pour découvrir la vérité, j'irai à la préfecture pour leur demander qu'ils envoient quelqu'un qui s'en occupera. Vous serez moins têtus quand ils viendront enquêter. Allez les gars, il faut qu'on se dépêche si on veut livrer la commande de Torregrosa. Attends, il y a du boulot. Bonjour, je suis inspecteur du travail. Hé, où est votre casque? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Andrés? Daniel, je pense que tu dois revenir rapidement. Il y a un inspecteur du travail qui veut te voir. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Il veut parler au propriétaire. On dirait que Silvio nous a accusés. Mais ça va jamais s'arrêter, cette histoire. Bon, j'arrive. C'est qui ce type? Il vient voir Daniel. Je l'ai appelé pour le prévenir, il arrive. Je pense pas que ce soit une bonne nouvelle. En plus, on lui a toujours pas dit pour sa mère. Non, Andrés, c'est pour ça que je suis venu. Tu dois surtout pas le dire à Daniel. Écoute, j'ai passé toute la nuit à réfléchir à la question. Je veux pas qu'il le sache. Parce que je vais pas dénoncer Amparo. Je suis très sérieuse, Alejandra. Ne me cherche pas. Je ne reculerai devant rien pour m'assurer qu'Uriel comprenne clairement où est sa place. Ma tante serait-elle capable de faire une chose pareille? S'il te plaît, Arturo, arrête de me prendre pour une idiote. Je te connais mieux que quiconque, je te signale. Je sais que quelque chose te tracasse. Pourquoi tu ne veux pas me dire de quoi il s'agit? Je t'ai déjà dit que tu te fais des idées. Oh, c'est ça, je me fais des films, bien sûr. Ça concerne Sergio. Ne me dis pas que Rodolfo t'a annoncé qu'il y a un problème ou qu'il ne va pas bien du tout. Écoute, notre fils est heureusement sorti indemne de son accident, c'est compris? Arrête d'insister, il n'y a rien qui me tracasse. Très bien. Puisque tu ne me dis rien, je découvrirai moi-même ce que tu me caches. Ah. Oh. Hannibal me déteste pour ce que j'ai fait. Il m'a même menacé avec un pistolet pour que je ne m'approche pas de vous. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je suis là. Cette femme a dit la vérité. Comment Hannibal a-t-il pu faire une chose pareille? Voyons voir si ce téléphone fonctionne déjà. Parfait. Utilisons-le. Est-ce que tu es au courant de ce qu'il se passe entre mon frère Sergio et ta femme? Pose la question à ton père. Il le sait.
Alors, quelle est la prochaine étape ? Je vais devoir inspecter minutieusement les lieux et examiner dans quelles conditions travaillent les employés. Nous avons des informations concernant l'accusation que nous avons reçue. Apparemment, vos employés font beaucoup plus d'heures que ce qui est permis. Écoutez, bon, il y a eu des heures supplémentaires, mais toujours dans la limite légale. Tout est spécifié dans le contrat et toutes ces heures sont payées. Ce qui est arrivé à Silvio, c'était un accident, oui. Ça nous attriste tous, mais ça arrive. En plus, on vérifie les équipements chaque semaine. Oui, et c'est pour ça qu'un de vos hommes s'est retrouvé paralysé à l'hôpital. Ou bien je me trompe, monsieur Otero? Bon, très bien. Quand voulez-vous faire cette inspection? Aujourd'hui même. Alors fermez la scierie immédiatement. Non, 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 vous ne pouvez pas la fermer. Enfin, on a une commande très importante à livrer. L'avenir de l'entreprise en dépend. Je ne peux pas tout arrêter maintenant. Non, non. En plus, ça ne va pas plaire aux employés. Donnez-nous quelques jours. D'accord? Non. C'est un ordre. Vous devez cesser toute activité maintenant. Non, c'est impossible. C'est forcément un mensonge. Isabelle et Sergio ne peuvent pas... Tu sais ce que Sergio a représenté pour moi depuis que je suis arrivée dans cette maison? Ça a été le premier à me soutenir. Il s'est préoccupé de ma santé. Il a été incroyablement gentil avec moi. Il y a autre chose que je dois te dire, mais pas maintenant. On en parlera quand Sergio ira mieux. Pose la question à ton père. Il le sait. Qui a écrit? S'arranger. Il faut avoir confiance, vous verrez. Bougez pas. C'est qui, lui? Un inspecteur du travail. Il est sûrement là à cause de Silvio. J'espère qu'ils vont pas tout fermer. Écoutez, du calme, les gars, c'est bon. N'allez pas perdre votre travail. Je vous donne ma parole. Va-t'en d'ici avant que je m'énerve. Tiens, une inspection? Quelqu'un a été vilain, j'ai l'impression. Va-t'en tout de suite. Je suis pas venu te voir. C'est à eux que je veux parler. Messieurs, cette scierie est condamnée. Ne mettez pas vos familles en danger. Je suis ici pour vous proposer un travail. Un travail où vous serez mieux payé qu'ici. Le plus important, c'est qu'aucun de vous ne finira dans un fauteuil roulant après une chute. Ne dites pas n'importe quoi. On sait tous que ce qui lui est arrivé n'est pas un accident. C'est vrai. Quelqu'un a coupé mon harnais, et c'est justement celui que Silvio utilisait ce jour-là. Pas besoin d'être un génie pour deviner qui est derrière tout ça, non? C'est tombé sur Silvio, mais ça aurait pu être moi, ou n'importe lequel d'entre vous, sans oublier ce que tu as fait à Sergio. La police nous a déclaré innocents. Il essaie de vous convaincre de rester ici avec un salaire misérable. Je vous offre un travail gratifiant et mieux payé. Mais vous devez vous décider aujourd'hui. Demain, il sera trop tard, c'est compris? Qu'est-ce qu'on fait? Il ne va rien faire? Bougez pas. Non, Andrés. Je ne peux pas rivaliser avec son offre. T'en fais pas. Il y aura toujours un travail pour toi et Andrés dans la nouvelle scierie. Nettoyer les toilettes. On y va, cousin. Merci, Rodolfo. Oui, on ne va pas tarder à partir. On se voit là-bas. Papa! Papa, dis-moi tout de suite ce que tu sais à propos de Sergio et de ma femme. Comment l'as-tu appris? Alors, c'est vrai. Isabelle m'a juré qu'il n'y avait rien entre Sergio et elle. Et je la crois.
Enfin, Hannibal, tu ne peux pas douter de ton épouse et de ton propre frère. Contrôle-toi, bon sang. Oh, mais oui, c'est facile pour toi de dire ça. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Comme d'habitude, tu vas défendre mes frères. Pour toi, ce sont des génies, ce sont des saints. Le seul imbécile de la fratrie, c'est moi. Ne dis pas ça, c'est n'importe quoi. C'est la vérité. Non. J'essaie simplement de te faire comprendre que cette histoire que tu crois vraie ne vient que d'un délire de Sergio, rien de plus. Je vais en avoir le cœur net immédiatement. Hannibal, Hannibal, où tu vas ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Hannibal ! Hannibal ! Attends-moi ! Sergio a été transféré dans une chambre. Donne-moi 2 minutes et on pourra aller à attends, la clinique. Attends, demande à Gerardo de t'accompagner. J'y vais tout de suite avec Hannibal. Pourquoi vous ne pouvez pas m'attendre ? Non, on ne peut pas. Hannibal ! Arturo, qu'est-ce qui se passe ? Attends, je vais t'aider. Non, pas la peine. Non, je vais t'aider, je vais t'aider. Oh, je t'ai dit que c'était pas la peine. Sergio, on est tous les deux adultes. Ce qui s'est passé entre nous n'a pas d'importance. Si, et c'est dur d'être adulte avec quelqu'un qui t'a toujours vu comme un enfant. Si tu veux bien, je préfère être seul. S'il te plaît, va-t'en. Alors, ma chérie, tu penses que ta tante, Hitler, serait capable d'engager quelqu'un pour faire disparaître Uriel pour laisser le champ libre à Iker? Ce serait diabolique comme plan. Je ne pense pas que ta tante soit capable d'aller aussi loin. Je sais, Regina. Je me dis la même chose, mais je peux pas m'empêcher d'y penser malgré tout. Pour l'instant, je vais jouer l'ignorante avec elle pour voir si je peux lui soutirer des informations. Je suis censée retrouver les autres au café. Je te dirai si j'entends quelque chose. Tu sais quoi? Je vais parler à Uriel et tu vas m'emmener comme la dernière fois. Tu es folle. Mais... N'insiste pas, Andrés, je ne le ferai pas. Il est hors de question que je porte plainte. Tu sais ce que ça ferait à Alejandra? Ou à la famille Otero? Tu es fou. Si je faisais ça, ce serait fini. Je ne pourrais plus jamais revoir Alejandra. Tu sais quoi? C'est peut-être ça qu'il te faut pour que tu comprennes une bonne fois pour toutes qu'elle n'est pas faite pour toi, Uriel. J'arrive pas à croire que tu puisses me dire une chose pareille. T'es mon frère, bon sang. T'es censé être de mon côté et faire de moi ta priorité, c'est non? C'est justement parce que tu es ma priorité. Tout ce que tu fais en courant après cette fille, c'est attirer des ennuis et de la souffrance. Rien d'autre. Uriel, regarde-toi un peu. Tu t'es fait tabasser, je te rappelle. Et ensuite, tu veux mourir? Hein? Non, non. Tu es sûr que tu sais conduire celle-là aussi? Mais oui, t'inquiète pas, j'en ai déjà conduit un, donc un autre, pas de soucis. Merci, Regina. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Bon, allez, on y va. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais revenez plus tard, j'ai du travail. Non, 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 on n'en a pas pour longtemps, ma belle. On est juste venu déposer un document. Tu sais, des trucs d'avocat. On peut entrer? Rapidement, je dois m'en aller. Qu'est-ce que c'est? C'est une demande de garde. Mon client, Monsieur Carlos Molina, veut obtenir la garde de son fils, Adrian Molina. Ah bon, vraiment? Je ne sais pas qui c'est. Le seul garçon qui vit ici est mon fils et il a mon nom de famille. C'est Adrian Tinoco. Oui. Je vous préviens qu'un procès va avoir lieu pour prouver la paternité de mon client. Après ça, nous informerons également le juge que Monsieur Molina demande, comme la loi lui autorise, la garde de cet enfant. Quoi? Je t'avais dit que je voulais ce qu'il y a de mieux pour le petit. Si tu n'avais pas rendu les choses aussi difficiles, j'aurais pas eu besoin de faire appel à un avocat. Tu n'es qu'une ordure! Tu as renié ton fils pendant des années, et maintenant tu dis que tu veux t'occuper de lui? Arrête, c'est ridicule! Mais non! Les gens changent, Carolina. Avec l'âge, je suis devenue plus sensible. Je supporte pas de voir mon fils vivre dans des conditions aussi... misérables. C'est pas de ta faute, vu l'argent que te donnent les Otero, c'est normal que tu puisses rien lui offrir de bien. Les gars, approchez-vous. Juste une seconde. Je veux vous remercier pour votre soutien, votre loyauté, votre confiance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous ressortirons blanchis de l'inspection. Nous allons finir la commande Torregrosa et nous irons de l'avant quoi qu'il arrive.
On y va. C'est vrai, ça, il a raison. Bien. On va s'en sortir. On lâche rien, d'accord? Bon, messieurs, prenez votre journée. Allez, je veux vous à demain. Voir tous demain repose-toi en pleine bien. Forme on et prêts à sortir. Couper du bois. Rentrez chez vous. À demain. Merci à et tous. Reposez-vous. Merci beaucoup. Daniel. Rentrez vous reposer. À demain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas? Oh, des petits soucis. Et toi, pourquoi tu es là? Je t'apporte de quoi déjeuner. Caro m'a dit que tu aimais les huchepos. Je les ai fait moi-même. Ils sont très bons. Oh, merci. Andrés, ne me regarde pas comme ça. J'en ai aussi pour toi. Bon, au fait, faut que je passe un coup de fil, hein. À plus tard, merci. Ouais. C'est quoi, ces soucis? Tout ça, c'est à cause de ton frère. Il est bien décidé à détruire notre Syrie. Et détruire Daniel, surtout. Oui, je vois. Carlos le déteste. Il va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues.